Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 heures. Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode du Hunger Game Pocket saison 3, c'est le troisième épisode et on va commencer à partir du quatrième jour de la simulation. Shaolino attaque Little mais épargne sa vie. Aztec demande à Iura de le tuer mais il refuse et épargne donc la vie. Ciel se blesse gravement ou quoi. Azuka tente d'escalader afin de trouver un endroit plus haut. Pourrait bien observer. Nathan se camoufle bien dans les buissons. Magico et Angel s'alternent pour rechercher des ressources. Bright pousse la fille de tout. Frappe la tête pardon de la fille de tout sur une pierre plusieurs fois. Bright qui est très violente à ce que je vois. Zoémir du coup qui chasse les autres tribus. Ailt qui chasse Wolf. Aikun qui voit de la fumée à distance mais décide de ne pas investiguer. Zed qui est pris dans les ronces et du coup qui se fait piquer par des baies. Je reçois une hache et Mekro reçoit également une hache et bien de sponsors inconnus. Fallen tribute la fille de tout district 10. Nuit numéro 4, Mekro commence un feu. Shaolino crie à l'aide. Wolf se questionne sur sa santé mentale. Dans sa santé tout court, mais bon, elle fait à manger. Lemer, Angel, Azuka, Zed et moi-même dort en alternant. Bright, Aikon, Nathan et Ciel se racontent des histoires d'horreur. Aztec, Magico et Little chantent des chansons ensemble. Iura fait des cauchemars et du coup reste éveillé. Continuons avec le jour numéro 5. Ailt pousse Angel par derrière pendant la pousse par l'arrière. Azuka chasse les autres tribus. Aikon construit une cabane, Aztec reçoit des médicaments, de quoi se soigner. Magico chasse Zed, Shaolino pratique le tir à l'arc, Little me demande de la tuer et j'épargne sa vie. Iura pousse plusieurs fois Mekro jusqu'à la mort. Zoémer, Bright et Ciel chasse les autres participants. Wolf meurt d'hypothermie et Nathan découvre une grotte. Tir de canon numéro 5, Angel, Mekro et Wolf. De trois districts différents. Nuit numéro 5, Nathan crie à l'aide. Little pousse Shaolino durant un fight en couteau. Azuka et Bright dort en alternant. Je laisse entrer Ciel dans ma cabane. Pour avoir un compagnon de nuit, pour bien se protéger. Zed demande à Demeure de le tuer et donc il épargne sa vie. Oura coupe plusieurs fois Aztec avec une épée, très très violent ce que je vois. Aikun fait des cauchemars et donc reste éveillé. Ailt tente de chanter pour dormir et Magico reçoit des explosifs de sponsors inconnus. On a assez de temps pour faire le jour 6 et la nuit 6, on va continuer. Ciel et Bright travaillent ensemble pour la journée. Little pousse Zed, ce qui le tue. Iura voit de la fumée donc n'investit pas. Nathan il se blesse au genou, ankle je crois que c'est le genou, pendant une poursuite avec Ailt. Zoémer blesse gravement Azuka et la laisse mourir. Certains dans la saison sont très violents, Zoémer, Bright, très violents certains. Je cherche de l'eau, Magico tente de pêcher avec un trident et Aikun détonne accidentellement une mine d'explosifs, ce qui va la tuer bien sûr. Plusieurs morts, chez Wino, Aztec, Zed, Azuka et Aikun. Vous pouvez voir qui est ce qui. Il y a deux vivants encore. Moi-même, Zoémer, 2 kills, Bright, 1 kill. Ailt, 1 kill, Nathan, 0 kill. Little, 2 kills, je savais pas. Ciel, Magico, Iura, il reste plus beaucoup de personnes, on va continuer la saison. Nuit numéro 6, et après on va s'arrêter là. Ciel pense qu'elle va gagner, ce qui est possible. Little et Nathan dort en alternant. Magico et bien commence un feu, mais ne réussit pas. Pensant Ailt, Iura commence à poser un camp pour la nuit. Et au même moment, Zoémer, moi-même, Bright et Ailt, pas mal de grandes menaces, dort en alternant. Donc, s'il y a un mort entre nous quatre, cela ne m'étonnera pas. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à mettre en commentaire qui est-ce que vous pensez qui va gagner. Ça sera très intéressant de voir ça. Et on se retrouve donc, du coup, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Dépogan 5 et je vais vous dire enjoy!